Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous à la une ce soir. Le quartier Badara, dans la partie est de la capitale Kinshasa, vient d'être électrifié dans le cadre du programme d'électrification de la ville province Kinshasa. Cette lumière mettra fin à l'insécurité, motif de satisfaction de la population. Après sa fermeture pour des travaux, les stades Kibasa Maliba à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga est finalement réouvert au public. Vous suivrez les détails techniques dans ce journal qui fera la ronde de l'actualité en RDC. Le tout dernier combattant de la Deuxième Guerre mondiale, 40-45, s'est éteint le 25 novembre dernier et aujourd'hui était son inhumation à la nécropole terrestrielle après les hommages rendus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le caporal Albert Kounyoukou Ngoma, c'est de lui qu'il s'agit, a vécu tout un siècle avant d'être terrassé par la maladie qui l'a emporté. Les images et commentaires de ses obsèques dans nos prochaines éditions. Insécurité dans la province du Haut-Ouélé. La population est de plus en plus attaquée par des personnes non autrement identifiées. La journée, tout comme la nuit, une réunion de sécurité était tenue par les gouverneurs de province après la présentation de quelques bandits arrêtés. Reportage. La grande salle du gouvernorat de la province du Haut-Uele a servi de cadre à cette réunion essentiellement sécuritaire que le gouverneur Christophe Bassian Nanga préside pendant plusieurs heures à l'intention des membres du comité provincial de sécurité. Question de faire un tour d'horizon complet de la situation sécuritaire à la fin de l'année 2022 et au début de celle 2023 sur l'ensemble de sa juridiction administrative. In fine, il se dégage que toutes les festivités de fin et de début d'année se sont déroulées dans un climat relativement calme. Cependant, quelques cas de banditisme et criminalité sont enregistrés dans certains coins de la province, en l'occurrence la ville d'Ission. Le comité provincial de sécurité appelle à cet effet la population au calme et s'implique pour débusquer les malfaiteurs afin de les mettre hors d'état de nuire. Il s'est passé quelques incidents où il y a eu mort d'homme du côté d'un scellé, un monsieur qui a été assassiné par des hommes non autrement identifiés, mais également quelques visites indésirables. Il a été rapporté au comité provincial de sécurité de la station Maïcha. Il y a aussi l'hôpital pépestère des sœurs, Tipeduc et d'autres structures qui ont été maladroitement visitées. L'autorité provinciale, mais aussi le comité provincial de sécurité appelle de nouveau la population à la vigilance tout azimut et à la coopération, à la collaboration avec les services de sécurité. Cette première réunion du Conseil provincial de sécurité pour l'année nouvelle permet au gouverneur Christophe Bassian Nanga de réitérer ses vœux les meilleurs à tous ses collaborateurs. C'était un reportage de Damas et Solé. Ici à Kinshasa, le nouveau bourgmestre de la commune de Kinshasa était ce jour sur le terrain pour accompagner les équipes d'assainissement et de la commune et puis donner le goût pour rendre cette commune, plutôt donner le coup d'envoi des travaux d'assainissement pour rendre la commune très propre. Ces derniers veulent imprégner une nouvelle stratégie de travail pour que la commune demeure définitivement très propre. Reportage. Aussitôt installé, le nouveau bourgmestre de la commune de Kinshasa, bienvenue Mbalibi Mfama et son adjoint, ont retroussé leurs manches. Le travail peut commencer. Ils sont allés palper la réalité de la commune, placée sous leur tutelle. L'image est peu reluisante. On se croirait dans une riziculture après la récolte. Une insalubrité qui ne dit pas son nom. La population cohabite avec la crasse au risque d'attraper des maladies. Une responsabilité partagée entre décideurs et les habitants de cette commune, appelés à se prendre en charge, ne serait-ce qu'en balayant devant leurs parcelles. Les gens travaillent dans un environnement pollué, malsain, alors que régulièrement ils sont en train de payer la taxe due à la salubrité. Donc partout où nous sommes passés, c'est dans un état piteux que nous avons trouvé ces différents marchés. Avec l'appui de notre population et de tous les services que nous avons rencontrés, la police et tout le monde, nous pourrons faire quelque chose pour essayer de changer cette image. Par cette première visite de terrain,
le nouveau bourgmestre de la commune de Kinshasa a pris la mesure de la tâche qui l'attend. De retour à son bureau, une réunion d'urgence a été convoquée avec les services préposés. Des instructions claires et précises ont été données à cet effet. Les premiers poteaux d'éclairage public est allumé hier au quartier Badara dans la commune de Lancélé. Nous sommes non loin de l'aéroport de Ndjili. L'éclairage public vient répondre aux besoins de la population qui a tant décrié la sécurité dans ces coins. Richard Ronkwale nous en parle. De milliers d'enfants jeunes et vieux envahissent l'avenue Ndolo, située dans le quartier Badara, pour assister à un événement jamais vécu dans ces coins de la capitale, l'électrification du quartier. Des lampadaires le long de l'avenue pour mettre fin à l'insécurité causée par un manque d'électricité. Initié par Ogi Kalonji, l'élu de la Tchangou, ces bains de foule venus à sa rencontre témoignent la reconnaissance de tout un peuple à son élu. Devant de milliers d'hommes et femmes, il les invite à s'enrôler massivement pour l'élection de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Ovationné par la foule, un mémo lui a été remis par la population en espérance de voir leur désirata transformé en solution. C'était plutôt un reportage de Gaëtan Magalano et non Richard Kouale, comme l'avons dit tout à l'heure. Poursuivons avec l'actualité. Le stade Kibasa Maliba à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga vient d'être réouvert au public après sa fermeture pour de travaux de réfection. Nos reporters sur place nous parlent du côté technique amélioré pour recevoir des rencontres sportives dans ce stade. C'est par deux matchs amicaux de football opposant les deux institutions provinciales que le stade omnisports Kibasa Maliba a été rouvert au public ce mercredi 4 janvier 2023. Cela après sa rénovation complète par le gouvernement Kabula. Sur une pelouse synthétique toute neuve et devant un public installé confortablement dans les tribunes et pourtours équipés de nouveaux sièges aux couleurs du drapeau national, les femmes du gouvernement provincial et celles de l'Assemblée provinciale ont été les premières à s'affronter après le coup d'envoi donné par le gouverneur Jacques Abla Katwe et le président de l'Assemblée provinciale Michel Katebengoy. Dans une ambiance de fair play, les joueuses de deux équipes ont livré au public un spectacle en couleur. Au finish, les femmes de l'organe délibérant ont battu celles du gouvernement par 3 buts à 1. Sous l'animation des groupes Banadoila de Saint-Éloi-le-Popo et les 100% du tout-puissant Mazembe, l'ambiance monte d'un cran lorsque les équipes masculines des deux institutions montent sur la pelouse. Le gouvernement provincial avec son capitaine Jacques Abla Katwe et l'Assemblée provinciale conduite par les députés Modeste Baloy et Robert Kidiaba dans les perchoirs se sont neutralisés sur toute la première mi-temps. Les dribbles du capitaine Jacques Abla Katwe n'ont pas suffi à départager les deux équipes qui ont fini la partie par un score vierge de 0 but partout. Le résultat de ce match n'a pas fait de l'ombre au grand événement du jour qu'a été l'inauguration d'une infrastructure sportive modernisée et qui fera désormais la fierté de la province du Haut-Katanga et du Congo démocratique. Le stade Kibasa Maliba est désormais prêt à accueillir les compétitions locales, nationales et internationales après son homologation par la CAF. Dans tous les cas, le public a découvert ce jour un chef-d'œuvre que Jacques Abla Katwe vient de mettre à la disposition du monde sportif RD congolais. La rencontre sportive de ce jour dans le stade Kibasa Maliba a donné donc accès désormais aux différentes rencontres sportives internationaux, nationaux et même locaux. Toujours en actualité, une messe d'action de grâce a été dite en mémoire de martyrs de l'indépendance à Bouta dans la province du Bas-Uélé à l'occasion du 64e anniversaire de leur mort. Les autorités provinciales ont participé à l'homélie dite par l'abbé curé Mutumoya. Dans les Bas-Uélé, précisément la ville de Bouta, une messe d'action de grâce a été dite à la chapelle Saint-Camille par l'abbé curé Étienne Mutumoya. Dans son homélie, tirée des livres de 1 Thessaloniciens 3, 4 à 7, l'orateur du jour a démontré les 7 péchés qui bloquent le développement du Bas-Uélé, à savoir
le manque de cohésion entre les leaders politiques du Bazuélé, la recherche d'intérêts égoïstes, affaiblissement de la société civile, la paresse, peu d'initiatives constructives, moins de culture de pensée-action, l'instabilisation des institutions de l'État, la culture de la dépendance dont les chefs de la population, faible esprit d'autonomisation. Comme piste de solution, l'officiant du jour invite les fils et filles du Bazuélé à unité, à travailler en synergie et à aimer la République démocratique du Congo et particulièrement la province du Bazuélé. Et l'abbé Étienne Moutoumoya d'exhorter les députés provinciaux qui sont en congé parlementaire de sensibiliser leur base à s'enrôler massivement pour augmenter les sièges au niveau national qu'est provincial. Après la messe d'action des grâces, les vice-gouverneurs et gouverneurs à l'intérim, le chef des travaux, Christophe Kondanga Lemonde, accompagné des comités provinciaux de sécurité, se sont dirigés à la place des martyrs de l'indépendance pour déposer les gerbes de fleurs en mémoire de nos vaillants héros. Étaient présents les personnalités politico-administratives de la place et la population qui sont venus rendre les honneurs à nos vaillants héros. Double cérémonie à Kisangani, la clôture de l'année académique 2021-2022 et l'ouverture de l'année académique 2022-2023. C'est le gouverneur de province qui a donné le go à cette année qui va bientôt commencer avant de féliciter le lauréat. L'amphithéâtre de l'université de Kisangani a vomi du monde ce jeudi 5 janvier 2023. Et pour cause, la double cérémonie des collations des grades académiques et des clôtures de l'année 2021-2022. Au total, 343 gradués et 558 licenciés issus de différentes facultés sont largués sur le marché de l'emploi par cette institution d'enseignement supérieur et universitaire de Kisangani. Dans son discours des politiques générales, le professeur Jean-Fausté Bongilo a rendu un hommage vibrant au chef de l'État pour la paix sans laquelle cette cérémonie n'aurait pas eu lieu et au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mwindo Zangi de concrétiser la clôture de cette année académique. Occasion tout indiquée pour le recteur de l'université de Kisangani de reconnaître le calme qui a régné dans son institution malgré les grèves, les manifestations dues à la coupure du courant électrique et autres. Pour autant, le professeur Jean-Faustin Bongilo énumère les multiples réalisations accomplies par son comité de gestion. Votre comité de gestion a élaboré un ambitieux projet de construction des auditoires modernes, des capacités de plus de 400 places sur financement propre de l'université de Kisangani. Sur le site de la faculté de médecine et pharmacie, ainsi que sur le site du campus central. De son côté, la gouverneure de province a félicité ses lauréats pour leurs efforts fournis tout au long de leur cursus académique. Madeleine Nikomba Sabangu promet de ne ménager aucun effort pour stimuler les jeunes de la province à poursuivre leurs études supérieures. Je m'emploierai personnellement à mobiliser davantage les filles ainsi que les fils de la province de la Tchoko à poursuivre avec succès les études supérieures et universitaires. La République, elle attend de vous un dévouement au travail, un travail de qualité qui doit refléter la qualité de la formation reçue. Au cours de cette cérémonie, 10 diplômes de mérite scientifique et pédagogique, dont 2 posthumes et une enveloppe, sont remis au professeur émérite pour le loyal service rendu à la nation congolaise. L'Institut Chabana à Kabinda, dans la province de la Lomami, reçoit les formateurs électoraux territoriaux de la province pour la formation. Kabinda, une des provinces de la deuxième zone opérationnelle, a reçu Jules Mounyemba Mounyemba, secrétaire exécutif provincial de la CENI. À partir de Kabinda, David Moudimbi nous fait le point. D'après la formation concernant les formateurs électoraux provinciaux que le secrétaire exécutif et provincial de la CENI-CEP Lomami, Jules Mounyemba Luyenga, a lancé ce jeudi 5 janvier 2023 la formation du troisième niveau concernant les fêtes en présence des experts venus de Kinshasa. Chers participants, la formation à laquelle vous prenez part aujourd'hui, c'est la formation du niveau 3. Destinée aux futurs formateurs territoriaux que vous allez devenir. Celle-ci est une étape d'une cascade de formation électorale destinée aux participants des différents niveaux pour aboutir à la révision du fichier électoral sans lequel il est complexe d'organiser les élections.
Gilles Munyembalu-Yenga a dans son speech demandé aux participants de suivre avec assiduité toutes les procédures ainsi et surtout les modules pratiques pour leur opérationnalité sur terrain. Soyez assidus, soyez réguliers, soyez ponctuels pour suivre les différents modules. Nous insistons plus sur votre promptitude à suivre les fondamentaux, à suivre les procédures ainsi que et surtout à suivre avec beaucoup d'attention les modules pratiques pour votre opérationnalité sur terrain. Signalons que l'opération d'identification et enrôlement des électeurs pour cette deuxième zone, dont la province de Lomami fait partie, est prévue le 24 janvier 2023. Ce n'est plus un secret de polichinelle, les tractations pour un prochain ou un remaniement au sein du gouvernement central, tout le monde le sait, ce qui pousse le ressortissant de la province de l'Équateur tout en étant reconnaissant au président de la République pour avoir tenu la conférence des gouverneurs dans leur province, de plaider également pour l'intégration dans le prochain gouvernement de l'un de leurs qui va booster au sein de ce gouvernement le programme de 145 territoires. Jean-Richard Coallet nous en parle. La synergie des forces vives de l'Équateur s'y sont réunies ce mardi 3 janvier 2023 pour évaluer l'arrivée du chef de l'État à l'occasion de la 9e session de la conférence des gouverneurs tenue à Mbandaka et ensuite exprimer leur désarroi sur la non-représentation de la province de l'Équateur au gouvernement central. Nous, acteurs sociaux et politiques, réunis ce mardi 3 janvier 2023 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur pour l'évaluation de l'arrivée du chef de l'État aux fins de la tenue de la 9e session de la conférence des gouverneurs à Mbandaka d'une part, et la question y afférente à la représentativité de la province de l'Équateur dans le gouvernement central d'autre part. Après examen, nous tenons à féliciter l'exécutif provincial pour l'organisation et la mobilisation de toutes les couches sociales pour l'accueil combien chaleureux réservé au chef de l'État. S'agissant de la représentativité, constatons malheureusement que la province de l'Équateur est absente aux commandes des portefeuilles ministériels dans la configuration de l'actuel gouvernement, situation qui provoque des frustrations. Aussi, sollicitons ce qui suit. La nomination des filles et fils de l'Équateur à la tête des ministères au prochain gouvernement central qui pointe à l'horizon. Il s'est de signifier que seuls ceux qui résident in situ localement sont concernés. Le soutirage du courant d'Inga à partir de la province de Maïndombe pour une électrification pouvant industrialiser notre province. Les fêtes de fin d'année a été une super aubaine pour les démunis et les personnes de troisième âge à Kananga dans la province du Kasaï central. Ces derniers, vivant dans des hospices, ont reçu des vivres et des non-vivres. Cette rencontre, organisée dans sa résidence privée de Limété le 4 janvier dernier, est un véritable moment de communion fraternelle que le député national Martin Ikoukt-Ikok a partagé avec sa base du territoire de Mweka, province du Kasaï, à travers un échantillon des étudiants ressortissants de Mweka vivant à Kinshasa. Il était question pour cet élu du peuple qu'accompagnait son épouse d'échanger le vœu de nouvel an et conscientiser cette crème intellectuelle montante d'être une meilleure élite de demain, capable de servir la nation congolaise, province du Kasaï et surtout leur Mweka natal. C'est une façon de les éloigner de l'instrumentalisation des politiciens de mauvais goût qui ne peuvent pas leur proposer une bonne orientation. En tant que leader politique, il a assuré la sensibilisation à la place de la CENI en appelant cette partie des étudiants à l'enrôlement massif, ce qui permettra d'obtenir sa carte d'électeur bénéfique pour soi-même et pour la nation lors du vote des dirigeants du pays. Madame Rosalie Arnold a commencé pour sa part par remercier leurs invités avant d'abonder dans le même sens
d'appel à la prise de conscience de cette jeunesse estudiantine de s'attacher aux élus de Mouekam qui servent de bon exemple, le cas du député national Martin Ikoukt-Ikok qui affiche sa détermination pour le développement de leur territoire. Saluant cette belle initiative du couple Martin Ikoukt-Ikok, les étudiants n'ont pas hésité de réitérer leur confiance et soutien indéfectible à celui qu'ils ont surnommé Papa Social pour ses œuvres palpables dans leur contrée. C'est un mariage scellé jusqu'au scrutin prochain. Martin Ikoukt a saisi l'occasion pour présenter des instruments neufs de musique à destination de Mouekam afin d'encourager et soutenir les jeunes talents de ce coin du pays. L'essai a été fait, séance tenante pour se rassurer de la qualité. Voilà, vous avez corrigé avec moi que c'était la rencontre du député national élu de Mouéka avec la population de Mouéka vivant à Kinshasa à l'occasion de la fête de la Saint-Sylvestre où il a également sensibilisé à l'enrôlement. Poursuivons avec ce journal que vous allez suivre à présent, le travaux d'immersion et d'information des agents et cadres du ministère des Finances. Il s'est agi au cours de ces travaux de s'approprier les mécanismes d'usage d'un nouveau logiciel d'information des données des différentes représentations qui devront être centralisées et beaucoup plus fiables. À cet effet, les directeurs provinciaux, les garants de siège frontalier de la Caisse Générale d'Épargne du Congo ont été outillés sur cette nouvelle technologie. Chacun doit suivre religieusement la formation et pour que personne n'en prétexte l'ignorance. Et qu'après cette étape, je crois que chacun va rentrer dans son entité pour aller continuer à travailler. Les experts se sont employés à la présentation de l'historique et les fonctionnalités de ces logiciels. Les résultats attendus sont clairement définis. En fait, les résultats auxquels nous nous attendons, c'est qu'ils puissent s'imprégner de la vision du chef de l'État. Et pour ce, la CADECO se veut être informatisée. C'est une urgence qui nous a été demandée par la Banque centrale, le ministère des Finances et le ministère de portefeuille qui sont nos tutelles. Et aujourd'hui, nous sommes au lancement officiel de la formation sur le logiciel acquis récemment, le SmartRegie, qui va nous aider à avoir le contrôle de toutes les provinces. Cette formation sur l'informatisation a été vivement saluée par les bénéficiaires venus de toutes les provinces du pays dans l'optique de renforcer la qualité du travail pour un meilleur rendement de cette entreprise. Même si on parle les langues internationales, on ne doit pas s'écarter de nos langues traditionnelles, aussi pas nos langues locaux. C'est à ça que les experts du secteur de l'éducation sont en train de s'entretenir ou réfléchir pour pérenniser nos langues traditionnelles en République démocratique du Congo. Un constat a été établi. Quelques langues locales et autochtones du pays sont sur le point de disparaître. C'est dans cette perspective que se situe cet atelier d'échange et de réflexion initié par la synergie des enseignants Nekongo de Kinshasa, Mweneko. Et c'est là, en prélude à la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, édition 2023, le 21 février prochain. C'est aussi une aubaine pour les participants d'échanger et de partager leurs expériences afin de mener des activités en synergie pour un meilleur résultat. Il s'agit pour Dédoné Bifoumanou Ntumpi, président coordonnateur de Nekongo, de contribuer par les billets de cette rencontre à sensibiliser davantage aux traditions linguistiques et culturelles, ainsi qu'à inspirer une solidarité fondée sur la compréhension, la tolérance et les dialogues. Selon lui, les soucis de protéger les langues maternelles du pays en tant que patrimoine partagé de l'humanité expliquent pourquoi la révalorisation des langues locales, notamment le Kikongo, est à l'ordre du jour. À l'issue des travaux de cet atelier, plusieurs recommandations ont été formulées. Quand je vais faire mon rapport à la notabilité, nous allons insister que nos députés nationaux, provinciaux, soient informés de cette idée. Et en tant que députés, ils pourront faire des propositions de loi. Toute personne de bonne volonté peut assister aussi un député ou un sénateur pour que cette idée soit coulée sous forme de projet de loi et soumettre ça là au Parlement. La diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable.
Marc Ekila est l'actuel ministre intérimaire de Transport, voie de communication et de désenclavement. Il a eu une réunion de prise de contact avec des différents mandataires de services du secteur de transport. Il a également échangé avec les agents et cadres de l'administration de son secteur. Reportage encore une fois, Jean-Richard Coallet. Le ministre intérimaire des Transports, Voies de communication et des désenclavements, Marc Ekila Likombo, a réservé la primeur de sa notification officielle à ce portefeuille aux mandataires des différents services du secteur des transports, ce au cours d'une réunion de prise de contact. C'était une réunion de prise de contact. Il était tout à fait normal qu'il puisse appeler les responsables de ces secteurs pour un premier contact, leur présenter les vœux et en même temps leur répercuter le message et les instructions de la hiérarchie par rapport au fonctionnement de notre ministère. Marc Ekila a également échangé avec les agents de l'administration de son secteur. Des échanges qui ont tourné autour des stratégies efficaces pour combattre le taux d'accident en hausse dans le pays, les embouteillages fréquents, en particulier dans la ville de Kinshasa. La réunion a été centrée autour d'une interpellation par rapport aux défis que nous avons à relever au sein du ministère des Transports, Voies de communication et des désenclavements. Vous observez comme nous les embouteillages, les accidents que nous ne cessons de déplorer. Une nouvelle année, un nouvel élan. Marc Ekila tient en rayonnement des entreprises publiques en RDC. Juste après, le ministre Marc Ekila a eu une réunion de prise de contact également avec le conseil d'administration des différentes entreprises de son secteur. À Nomsera, les directeurs généraux de Transco et autres membres du conseil d'administration se retrouvent pour la première réunion du conseil d'administration de l'année 2023. Un premier contact annuel présidé par les présidents du conseil d'administration est axé essentiellement sur les budgets exploitation de l'exercice 2023. Il était question d'analyser les grands axes qui sont de ces budgets, les budgets d'exploitation et les budgets d'investissement pour créer des rationalités afin de rendre cohérents les écritures comptables. Nous avons analysé en toute rigueur toutes les logiques présentées et proposer des amendements pour améliorer les données comptables. Nous avons donc voté, donc accordé l'autorisation au comité de gestion d'appliquer ces budgets-là parce qu'ils correspondent évidemment aux besoins qui sont les nôtres. Les services de Transco doivent répondre aux normes standards du secteur des transports, explique Taylor Lubanga. Nous avons en même temps émis le souhait de voir le gouvernement nous laisser la responsabilité de concevoir, de choisir, d'entrer en contact avec les partenaires qui conviennent, de manière à ce que nous dotions le pays des bus qui répondent aux besoins qui sont les nôtres, les besoins climatiques, les besoins techniques, mais aussi les besoins de l'offre, parce qu'il s'agit là de réalités qui parfois ne sont pas prises en compte lorsque ceux qui achètent les bus ne sont pas ceux qui les exploitent. 2023, une année pleine d'ambition pour les Transco qui attend dans les tout prochains jours un lot de 300 bus qui vont permettre à étendre les services du transport en commun sur tout le territoire national. Parlons enrôlement, la présidente du cercle des réformateurs intègres du Congo s'est enrôlée à Mbanzalemba. Stéphanie Mbombo a à cette occasion sensibilisé la population de ce coin à se faire enrôler massivement. Reportage Diane Balakambombo et Jojondi Bukabulu. La population de Mbanzalemba, quartier Mbuku, dans la commune de Kisanso, vient d'être sensibilisée à s'enrôler massivement pour les élections de 2023. La présidente du Cercle des formateurs intégrés du Congo CRIC, Madame Stéphanie Mbombo, s'est enrôlée dans sa base naturelle. Il s'agit du centre de la CENI situé à l'école Botama, paroisse La Nativité.
une foule immense a accompagné la présidente du CRIC depuis les hommes 30 de l'Unikin jusqu'au centre d'enrôlement. Juste après d'être acquittée de son devoir civique, Madame Stéphanie Mbombo a sensibilisé la population de Manzalemba à s'enrôler massivement et dans les délais fixés par la centrale électorale, ce qui leur permettra d'avoir la carte d'électeur pour voter. Je suis d'abord contente et heureuse de l'accueil que j'ai eu de tous les membres, surtout de base ici. Et je les appelle vraiment à s'enrôler massivement. Les élections est une réalité, les calendriers est respecté. CRIC en sigle soutient la candidature de Président Tshisekedi. C'est le mot d'ordre que je lance à la population, à tout le monde, parce que non pas parce qu'il est président, mais parce qu'il a fait des œuvres palpables dans la réforme au niveau des finances. Il a triplé le budget de l'État. Il y a 6 millions d'enfants qui sont allés gratuitement à l'école l'année passée, la santé universelle. Et si nous les votons, nous allons continuer dans ce genre d'accomplissement au niveau social, au niveau des infrastructures et vraiment au niveau de l'éducation. La présidente du CRIC a fait savoir que son parti est allié à l'UDPS et soutient la candidature de l'actuel chef de l'État pour lui permettre de briguer un second mandat pour accomplir les actions de développement de la RDC. Elle a également remercié la population qui s'est mobilisée pour écouter son message et a souligné que la campagne électorale n'a pas encore débuté. Les Forces du Progrès, c'est une structure au sein de l'UDPS. Cette structure a sensibilisé la population congolaise à s'enrôler massivement. Surtout, ceux qui soutiennent le président de la République, cela le permettra à le voter pour un second mandat. Au pays du Sphinx, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, les élections sont prévues le 20 décembre 2023. Les membres de l'UDPS, Force du Progrès, ont rempli leur devoir civique ce vendredi 6 janvier 2023 en obtenant leur carte d'électeur au centre Gracia 2 dans la commune de Ngaliema. Son président Kennedy Ngandungandu a exhorté la population à se faire enrôler massivement pour accorder au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, un deuxième mandat. Enrôlons-nous massivement pour donner un deuxième mandat au président Félix Tshisekedi Tshilombo. J'exhorte à la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement. Également, les membres de Force du Progrès qui restent encore à la maison de venir s'enrôler massivement pour accorder un deuxième mandat au président Félix Tshisekedi Tshilombo cette année. Il s'est rappelé que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a lancé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs au mois de décembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et voilà, c'était donc là l'essentiel de l'actualité sur nos antennes de la RTNC avec Michel Tamouzi, l'interprète de Malentendant, Natacha Mombanda. Nous étions heureux de vous informer. Vous allez retrouver à 20h Sandra Nyangi Tabou pour la grande édition d'actualité. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.